Donc, honnêtement, tu me plais bien et j'aimerais en fait qu'on garde contact et qu'on apprenne à se connaître pour voir là où le destin Et si je refuse? pourrait nous conduire. Bah, si tu refuses, tu passes à côté d'une opportunité que jamais de la vie tu ne reverras. Ah ouais? Ah bah oui, je suis persuadé qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vécues en amour ou même dans les relations, surtout avec les hommes, je pense. Je ne sais pas si tu es en couple, mais moi, c'est vraiment un peu comme une offre que je viens de te faire parce que je suis un homme, tu vois, ambitieux. J'ai pas mal de projets à réaliser et j'ai besoin en fait d'une femme qui épouse ma vision des choses Ah, une et femme comme qui, moi? je te connais pas, Ah. mais je viens en fait t'offrir en fait cette opportunité-là de t'embarquer en fait, tu vois, dans ma bac. Ah ouais? Ouais, parce que c'est vraiment ça, quoi. Donc honnêtement, tu me plais bien et j'aimerais en fait qu'on garde contact et qu'on apprenne à se connaître pour voir là où le destin Et si je refuse? pourrait nous conduire. Bah, si tu refuses, tu passes à côté d'une opportunité que jamais de la vie tu ne reverras. Ah ouais? Ah bah oui. T'es sûr? Bah oui. C'est pas que je fais le mec, mais Un peu. j'essaie de quoi je parle. Ah ouais? Mais montre-moi un truc qui me fera rêver. Alors, malheureusement, je ne suis pas magicien. Moi, j'aime plus poser des actes Ok. plutôt que des paroles, tu vois. Ok. Donc, si tu acceptes qu'on garde contact, on va sûrement apprendre à se connaître. Et voilà, il y a forcément des choses que je vais te montrer, des actes que je vais poser qui vont sûrement te convaincre que je suis l'homme idéal pour toi, quoi.